exercice de renforcement en stabilisation avec le ballon de clin. Premier exercice, il va être à hauteur et vous allez faire une translation avec un transfert d'appui qui interpose le tronc avant d'aller travailler en stabilisation dans l'épaule, dans le ballon. Et deuxième exercice qui ira vers le plafond en stabilisation en position haute avec une résistance en hauteur. Donc pour le premier exercice, donc normalement vous voyez bien mes pieds, on va prendre le ballon avec soi. Et on va essayer de se positionner en fente avec un pied d'appui postérieur, donc là ma jambe gauche, qui aura l'axe de son pied perpendiculaire à la direction du mouvement. Le ballon, on le positionne à peu près à la hauteur de la ligne des épaules. Et l'autre pied, on va le mettre dans la direction du mouvement qu'on va vouloir effectuer. On va plier ses genoux, histoire d'asseoir la position au niveau du bassin et du dos et se redresser. Et dans cette position, on va essayer de faire, corps entre la ligne du bassin, les jambes, la ligne des épaules et le bras et le tronc. C'est-à-dire que je vais essayer de transférer mon poids de corps de la jambe postérieure gauche vers la jambe antérieure droite et de venir impacter dans l'intérieur du ballon en même temps. Donc, je me redresse, je fixe, je verrouille le bassin avec l'ancrage du périnée des abdos, je me grandis, je garde les épaules basses, j'ai ma projection de la main quasiment à la hauteur des épaules et je vais pousser en soufflant jambe postérieure, tronc gainage, stabilisation, main dans le ballon. Et ça, on va le faire 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, en faisant bien le transfert, hein, 7, 8, 9, 10, et là je maintiens 10 secondes. Si je suis en force et que je sens mon épaule stable et la posture bien gainée, je lève le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose le pied, je relâche. Je vous montre ce que je ne peux pas voir. Voilà, là j'ai la ligne des épaules qui part et les fesses qui restent sur place. Là, j'ai mes fesses qui y vont, mais j'ai les épaules qui n'y vont pas. Et quelque chose qui serait asymétrique, voilà, quelque chose comme ça, ce ne serait pas bon. Nous, on est en mode statue, ancré dans les jambes. Tronc engagé, verrouillé et en force, on transfère et il y a tout qui suit. On est vraiment en monobloc pour cet exercice de renforcement. Alors, vous avez vu que je me suis mis sur un pied à la fin, ça c'est vraiment en bonus. Essayez déjà de tenir 10 secondes, vous allez voir qu'au niveau de l'endurance, il y a la stabilisation de l'épaule à avoir et aussi garder le ballon dans la position, c'est-à-dire que ça nécessite un minimum d'impaction dans le mur. Alors, bon là j'ai pris un placard, c'est pas une très bonne idée parce que le placard c'est un petit peu mou, mais pour les besoins de la vidéo c'était plus simple comme ça. Prenez chez vous un coin de mur qui est costaud, au moins vous ne risquez pas que le placard se casse ou que ça s'appuie ou que ce soit moins stable. Et au moins vous êtes sécurisé dans votre appui et le ballon n'est pas aussi fuyant, d'accord. Deuxième partie, deuxième volet d'exercice, donc c'est stabilisation vers le plafond. Donc on va toujours sur un renforcement d'épaule à droite, hein, là. On va se mettre face au mur et venir monter le ballon le plus haut possible, garder une position corrigée au niveau de son dos et impacter 3 fois. 1, 2, 3, redescendre à hauteur des yeux. Donc je descends sans ma main gauche, à hauteur des yeux. Je souffle un peu, mais mon épaule travaille toujours pour essayer de garder le ballon. Et je remonte. Et je reprends mes 3 poussées en gardant le dos bien droit. 1, 2, 3, et je redescends. Et ça, on va le faire 3 fois. Je redescends à hauteur de l'épaule. Je relâche tranquillement, mais je tiens toujours mon ballon. Travail d'endurance au niveau du membre supérieur droit. Je remonte une dernière fois pour la 3e fois. Donc, c'est pas très simple, ça demande un petit temps de travail. Et je monte. 1, 2, 3, stabilisation haute de mon ballon et je guide la descente tout doucement, ça commence à chauffer et là je vais pouvoir arrêter, je mets de la main gauche, je repose.
Voilà pour les stabilisations avec contrainte de ballon et à refaire après avoir été échauffé. Et ensuite, essayez de faire soit en symétrique si vous n'avez pas de soucis particuliers au niveau des épaules, soit dépasser sur les étirements si vous sentez que ça a chauffé, etc. Pensez toujours à bien respirer et à bien boire.